Le Seigneur a retiré sa main du président Sérou. Je vais vous détailler pourquoi le Seigneur s'est retiré du président du Sénégal. Il a fait une grosse bêtise. Il a fait une erreur fatale. J'ai envoyé le message, vous savez, je lui ai dit, le Seigneur lui a dit de ne pas sortir. Il est élu, ça ne fait pas un mois. Il n'a pas vu Assimi Goïta, tout humble dans son pays. Il n'a pas vu Ibrahim Traoré, tout humble dans son pays. Je lui ai dit, je suis venu livrer le secret qui devait se passer le 7, un coup d'état. Le chef d'état-major, le ministre de la Défense, il sait ce qui se passe. Et le but, c'est d'écarter son corps. Et ce que le Seigneur m'a montré, il a manqué, il n'écoute pas. Il a nommé Sonko premier ministre. Mais ce que Sonko vient le proposer, il ne valide pas. C'est Sonko. Sonko là, il a le cœur. Il veut la liberté des Sénégalais. Mais Bachir, on lui a monté la tête. Il a déjà pris les cornes. Il est président. Il est déjà orgueilleux. Il pense déjà qu'il est président. Et Sonko n'est plus rien. Il le méprise déjà. Et on lui dit que ce n'est pas Sonko le président, c'est lui le président. Et il a gommé. Dieu m'a dit. Il m'a dit, ma servante, il va confirmer le code. Il va comprendre que la chaise qu'il a assise là, il y a quelqu'un qui a crié derrière. Et ça va servir à aux autres personnes. Pendant que je me prosterne, je crie, papa non, vous prenez la gloire. Et vous voulez mépriser le peuple de Dieu? Vous voulez mépriser le peuple sénégalais? Tu es là, tu pars à Mauritanie chercher qui? Tu viens d'être élu. Dieu t'a donné l'ordre, ne sors pas, tu as désobéi à la voix de Dieu. Tu pars en Gambie, les gens t'ont comploté pour qu'on te tue. Je suis allé combattre avec mon Dieu. Mon Dieu, nous avons prié jusqu'à ces choses que tu es en train de partir. On ne peut pas se moquer de Dieu. On ne peut pas se moquer de Dieu. Va! Allons, on est ici, non? Vous allez me dire, maman, voilà ça qui est arrivé. Je ne détaille pas le reste, mais la honte que tu vas recevoir au Sénégal. Donnez-lui le message, hein. Il va recevoir cette nuit. Tu joues à la sourde oreille, tu joues à la personne, tu es déjà président. J'ai lavé ma main. Si tu deviens quoi, ce n'est pas moi. J'ai fini ma part. L'accueil fraternel et l'hospitalité généreuse qui ont été délégation. Sachez, monsieur le président, que je suis venu d'abord rendre visite à un ministre, le président Ouattara. Et ensuite, vous renouvelez les relations d'amitié fraternelle et de coopération conjugale.